Et encore hier, on était en retard. John, n'hésite pas parce que tu peux parler avec madame. Je me dis, excusez-moi, c'est Yeshua. Valérie. Vous mettez à voir ni sakoshi. Dieu parmi ma protocole, on va quoi? C'est parmi les amis, on va quoi? Il est bon, 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 la manière de l'expliquer, je n'avais pas pu. On m'a menacé, vous avez mangé l'argent d'avance. Que Dieu t'amène très loin. Bien-aimé, il y a des gens sur cette terre qui sont comme des David. Les gens, moi, les gens qui m'entourent. Va pasteur grâce. Les pasteurs grâce ici. C'est grave. Swan, Christian. Le prophète Christian. Alors, moi, Apollo, moi, il y a un Christian qui rencontre un patron de prophétie, moi. Maintenant, c'est frère, moi, chaque fois, Apollo, moi, il m'a écrit, moi, en Chine. Un frère qui avait des. Un Apollo, c'était écrit en chinois. On me l'a dit. On m'a dit, suis-moi. Aujourd'hui, on dit que mon téléphone est resté Chine. Chine. C'est que je suis un Chine, Christian, on dit que c'est chinois. Il ne connaissait pas. Je me suis dit, je t'offre le frère, c'est où les chinois, mais c'est pas, il y a une prophétie. Mais je sais, moi, je suis un chinois. Je n'ai pas dit de l'appeler chinois. Et puis tu sors là, tu dis vieux chinois. Il y a des gens. Que Dieu vous bénisse, on a beaucoup souffert avec vous. Il y a maman Fatou. Elle est où? Maman Fatou, et quoi? Mon gars, barik, ça, maman. Viens, viens, pour toi. Il y a maman Caribbean. Ruth, c'est quoi? Où est la sœur Ruth? Ruth, protocole. La sœur Ruth, protocole. On a souffert. Parce que souvent à l'église, on a l'habitude de dire, « Eh, va, pasteur !» Oh, c'est mal les pasteurs. Est-ce qu'on peut encourager? Maman, que Dieu te bénisse. Où maman a touché à maille, a touché à maille. Quoi que pourquoi ou quoi? Chez elle, c'était ici. Alors, voisine, il y a tout mon évangélisme. Elle avait pas évangélisé. Elle avait juste traversé. Que Dieu vous garde. Maman Fatou. Maman Fatou. Que Dieu vous bénisse. Aide-moi à encourager cette sœur. Muni saidie kupatia ulangu dada. Monte. Amen. Amen. C'est que avant de ba protocole wa moya. Ce sont des protocoles. Vérifier non chez ba petire c'est mon créer ko ba protocole. Je bana bana ni créer ya ba sœur. On m'a créé cette sœur. C'est que à pas quoi ina c'est marwa chakuya mina fika c'est ma bon bon expliquer. Je dis expliquer. Je vais m'amba ici avant ça besporte chez moi. Pourquoi ils ont commencé à expliquer? Ça moi beko la fonne le bébé que mi pelu kok mine bangara. Par ba mena c'est mina c'est tu na pour Paul. Mais là on vient à tuiga na pour grande convention. Comme mina ba on avait la petite convention si je les vois en train de défiler là. Est-ce qu'on peut les encourager? Et tu nous as apporté un gouvou. Nathan, viens. Nathan, viens. Oui, nous tout ta pasteur. C'est un fils du pasteur. Ils fuyaient leur église et non, servir. Pour venir me servir. Pasteur, c'est un enfant du pasteur. Quand il a quitté cette église, remise et reprise. Ne voyez-vous pas qu'il serait reprise. Ils ont fait remise et reprise. C'est le bien-aimé à qui j'avais donné le sac pendant qu'il voyageait. Et non, pasteur. Fils du pasteur. Que Dieu te bénisse. C'est que beaucoup bantu hein, mina ngara kuma uso wengine. Il y a des gens je regarde certains. Et puis kundu kuma ranzu tu paka sente. Il y a un frère Freddy qui nous donnait. Et quoi? Frère Freddy quoi? Kuya. Freddy, venez. Ah. Ça moi tu mouripe. Parfois on ne le payait pas. Ça moi neacha. Parfois il laissait. Un jour, il avait dit, j'aurai de l'argent pour vous. Est-ce qu'on peut encourager ce bien-aimé? Les gens, hein? J'ai un mois. Est-ce qu'on peut encourager ce bien-aimé ici? Il nous a beaucoup aidé. Serviteur. Que Dieu vous amène très loin. Maman mignonne quoi? Où est maman mignonne? Mas que eu vou
Parce que de tels jours, il faut s'absenter. Bien, mais où maman Dieu a touché comme instrument à quoi? C'est la maman qui avait acheté les premiers instruments. Attaque en apro. Même si elle n'est pas là. Est-ce qu'on peut encourager? Peut-être nous avons parti en nouveau. En a fait un sacrifice, moi, il ne dépassa comme instrument à quoi? Elle a consenti un sacrifice qui m'avait dépassé. Elle a donné les premiers instruments, on a bricolé. Que Dieu vous amène très loin. Amen. Amen. Avant de présenter les hommes de Dieu, j'aimerais qu'on fasse une histoire rapidement. Où Élisée? D'où quoi Élisée et quoi? Chez ma mère. Couille. Mais les Chicois, on avait invité, tu as invité l'orchestre du frère Jérémie, hein? On avait invité Kouyimba. L'orchestre du frère Jérémie. Le frère est resté et le frère est resté. Est-ce qu'on peut encourager ce bien-aimé? Est-ce que nous avons parti en vous, mon père? Peut-être qu'on attend un bar, hein? On vient de loin. Hein? Que Dieu t'amène très loin. Hein? Parce que partout, on présente seulement les hommes de Dieu, bishop. Mais les gens qui travaillent, que Dieu vous garde, qu'il vous amène très loin. Amen. Amen. Avant de présenter les hommes de Dieu, Dieu m'a dit, pour dire merci à Dieu, je n'ai jamais connu un Dieu locataire. Un Dieu qui a un problème à fâcher. Un Dieu qui a un problème de position. Amen. Amen. J'ai vu des gens couler ma salaire. J'ai vu des gens salaire à Kwanza, à Nturia, donner leur premier salaire. Petit, hein? Minato chapeau kilo. Samuel, je m'en vais. Où frère a un salaire, mais c'est petit. Il était venu avec son salaire. J'ai dit, pareille foi. Mais c'est tout chapeau kilo, quoi. Tu te rappelles? Hein? Je suis dans Kumbuka. Kumbuka. Il faut aller à Soranto avec un salaire. Même si, quand elle que Dieu te bénisse. Israël vient. Où frère Arange, bien-aimé Israël, ce bien-aimé réunissait les gens. Il réunissait les gens de l'Europe. Na États-Unis. Et des États-Unis. Mais tu n'as pas pour le bien vivre. Arange, est-ce que mon Makuta, est-ce que vous pouvez donner de l'argent pour nous? C'est alors que moi j'ai prié pour ses amis, ils envoyaient l'argent. Il n'appelle plus. Ou bien il n'habite pas au Moyen-Orient, il s'aide. Je sais que je vais vivre, que Dieu vous bénisse. Il n'est pas comme ça. C'est qu'il y a des gens au début. Ayez cette force. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis après, je vais prier tous les hommes de Dieu de notre secteur. Et après, t'as même pas de soucis. Pour qu'on avance. Il est en délai. Il y a d'autres. Il y a le parrain de pasteur Grâce, Papa Nelson. Ah non, moi j'espère. Hein? Il n'est pas là, cet j'espère. Homme, est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme qui est pendant que la bénédiction le touche fâché. Bien aimé, où le monde? Parmi Bantu Mirega mal à l'aise, mon antenne à Koloézi. Parmi les gens que j'ai mis mal à l'aise au niveau de l'antenne de Koloézi. Où le Papa Nesko à Kwanza? Il peut être parmi les premiers. Mais en fait, on a bloqué, mais naïta, c'est ton achine à Sima. Comment ce prophète de ton amour, mais c'est où j'ai débrouillé? Pas d'argent, débrouillez-vous. Il faut que Dieu donne à certaines personnes de l'argent. Amen. Amen. Dieu m'a dit qu'on fasse une offrande et après le pasteur Grâce va passer. Qui chame ta foi, prière et amouche. Je ferai une dernière prière. Et puis déjà, je vais m'annoncer. Et j'anticipe pour mardi, vous dire. Je répète, mardi. Le mardi. Quand j'étais à Boma. Dieu m'a dit. Il y a quelque chose qui va se passer dans la ville de Koloézi. Ce qui concerne l'église. Il y a un élégant à Mbokanisa. Alors, tu dois libérer cette onction. On a pas et libérer les grâces. Na Amen. Amen. Alors, je vais le faire le mardi. C'est que mardi tourne à culte moi prophétique. Chers serviteurs de Dieu, le culte commence à 15h. Il est à 15h. Amen. Amen. Moi-même, je vais travailler. Même modérateur, mettez-moi un modérateur. Choral, parce que. Ça sera un culte prophétique qui n'habite dans une forte dimension. Je vais prophétiser dans une forte dimension. On a commencé. Papa Bernard, je ne sais pas s'il est là. Papa Bernard, Michel Kamekwapo. Papa Bernard, je m'en vais. Papa Bernard, tenez-vous debout, venez, papa. Bien aimé, on a cette tendance à tchènes, mais on a posé la question. Je vais poser la question du Seigneur. On a commencé le secteur. Un jour, il est venu me voir. Dieu m'a dit. Il m'a fâché. Quand on a fait, on n'est pas ma goutte à part à mon goutte. Je connais.
Est-ce qu'on peut encourager cet homme? C'est notre premier président. Avec une grande équipe. Est-ce que l'équipe a qu'une équipe? Est-ce que son équipe s'est levée? Équipe Yakabod, équipe Yakabod. L'équipe Yakabod, tenez-vous debout. Na docteur Yannick. Et le docteur Yannick. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Que Dieu vous bénisse, papa. Sauf que tu as fait 3 ans, mais tu as organisé ma activité Mbiri. On a totalisé 3 ans, mais avec 2 grandes activités et 1 activité des mamans. 6 ans, ils ont raison. Ils ne sont pas animés de la jalousie. Ils ont raison. Tu es chagriné parce que tu as 25 ans et l'enfant de 3 ans. Ils ont raison. Amen. Alors, mon gagnant, c'est tout faire l'offrande. Dieu m'a dit qu'on fasse cette offrande. Tout faire ma sacrifice à Kutumba. Qu'on fasse des sacrifices qui feront mal. Je n'ai pas d'argent, mais je veux consentir un sacrifice. Non, tout est illéta. Et on va donner. Dimanche, amis, je ne suis rien. Le dernier dimanche, c'est quel jour? Regardez la date, consultez le calendrier. Il t'a quoi culte moins spécial? Ce sera un culte très spécial. Hein? Le 2. C'est mieux le 25. Tu t'es fait le 25. On fera ça le 25. Quand c'est un de les deux n'imbari. Le 2, c'est très loin. Tu t'es fait le 25. Na il est semaine. Maman, écoute, mon esprit continue de te laisser. Cette semaine. Amen. Donner de l'argent cette semaine. Jusque le 2. Jusque le 2. Mais il est culte, tu veux t'avoir le 25. Mais ce culte aura lieu le 25. On est en train de lutter pour que ce culte ait lieu le 25. Alors, tout à fait, il sacrifie, tu en fais fanya pas. On va consentir ce sacrifice. Je sais que ma rentrée scolaire biote. Mais je crois aussi qu'il y a un Dieu. Il sacrifie, tu en fais fanya. Le sacrifice que l'on veut consentir. Il t'a fait un mambo à Mingsan. Fera beaucoup d'histoires. Je vois un bien-aimé. Héritier, je m'en viens bien. Non, mon père, beaucoup héritier. Au début, on a. Est-ce qu'on peut encourager le marié avant de me présenter comme une chose? On va le présenter. Avant de me. Petit dit, alors fan ouangu, angu, ça m'a dit, c'est juste fan ouangu, ça, c'est quoi, c'est une fan. Alors, toi, quand on a Bumbashi, tu as démarré dans un secteur. Que Dieu te bénisse, Mungok Bariki. Mungi Pan, nous allons présenter la madame. Je vais vous présenter ici avec madame. Amen. Amen. Alors, il est ma sacrifice, tout na fanya, Léo. Le sacrifice qu'on fera aujourd'hui. Dieu a été temple. Pour ce temps. Trois ans, tout le monde chez Mungu. Durant ces 3 ans, on fait tout chez Imam. On veut terminer cette histoire. Alors. Ça sort. Il faut tout l'éteindre, Makuta. Il faut qu'on donne cet argent. Moi, j'ai dit à Dieu. Je sais que ce n'est pas facile. Mais le sacrifice, je le consentirai moi-même, le pasteur. Je vais donner 5 000 $ à Dieu. Si c'est vendre des chaussures, si ce sont des montres, je vais vendre. Si vous voyez, il n'y a personne qui va parler. Parce que c'est moi qui suis le père. Et on va arranger. Je vais donner 5 000 $ à Dieu. Ce mois, je ne vais pas bouffer mon argent. Et puis, nous n'avons qu'à commission, moi, et à Imakuta, mais batakwa. Financier ou et tout? Notre financier. À Tabasaïdia. Il va les aider. Mais c'est une commission. La qui une commission. Dieu à construction. Pour la construction. Frère Patrick, tu fais à Kumbeloko. Frère Patrick approcher. C'est bien aimé, nous avons beaucoup aidé. Est-ce que vous n'êtes pas. Est-ce qu'on peut célébrer la vie de cet homme? Que Dieu te bénisse. J'avais déjà oublié. Mais cet homme, Dieu l'a utilisé comme un canal de bénédiction pour ce secteur. On ne peut pas ignorer. Que Dieu te bénisse. L'année prochaine, il faut célébrer mariage. L'année prochaine, je dois célébrer ton mariage. Tiens, j'ai bien. Avec un bon. Parce qu'il y a un coup de la bouteille pas dans ma Bible. C'est pas bien parfois. C'est pas bien parfois, être célibataire au milieu des mariés. Ah, petit.
Vous faites. Est-ce qu'on peut servir la vie de cet homme? Alors là, c'est un thème. Les jeunes interprètent. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. 5 000 $. Nous avons pile 5 000. 5 000 $ qui peut se rallier. 1 000, 2 000. Passez aussi, passez. 1 000, 2 000. C'est pas dire que les bandits. Ni ma offrande, moi, ma sacrifice, en gouvou. Les offrandes de grands sacrifices. 1 000 $ en enan. Puis tabata kuloka. Qui d'autre 1 000 $? On ne va pas t'ensorceler. On a funga tout, c'est non, non. Comment ni motoka, comment ni pieni ni tabaki. C'est la voiture, je vais rester piéton. Mais tu vois, raga, parce que mon bille va pili. Non, moi, je suis fatigué avec Internet. Je sais que beaucoup de gens nous ont aidés. C'est du Canada. Il y a un groupe, il y a Mama Lini. Que Dieu vous bénisse. Il y a Pasteur Fidèle Chinkola. Que Dieu vous bénisse. Il y a un prophète qui nous a beaucoup aidés. C'est le prophète Joël Francis Tatou. Que Dieu te bénisse. Il y a un prophète Philippe Moukoma. On va m'y pour vos soutiens. Pour votre soutien. Il y a des bien-aimés qui nous ont beaucoup aidés. Soyez bénis. Il y a un bien-aimé Francis Machala. Que Dieu vous bénisse. Puis je rends hommage à un homme. Cet homme, il mourit à Kassana. Il a Tusaïdia Sanam secteur. Il a donné l'argent. Beaucoup aidé. Il a donné de son argent. Et puis, on a quoi? Et puis, il est mort. Mungu a endele kuchunga nafsiaki. Nafsiaki. Il continue à garder son âme. Inge murepo ya biakweri. Et que son âme repose en paix. Amen. Amen. Nani mungine? Eh, akuna wa mille. Qui d'autre? Personne pour mille. Bandugu, nani mshina na makuta shibote tunafa sacrifice tu ifanye ni shibote. Bien aimé, faisons ce sacrifice. $1 000. $1 000. Apana. Non. On a ce mobile à pire acheter pita kama mulete makuta. Savez-vous que le deuxième prédicateur ne passera pas si vous ne donnez pas l'argent? Kisha batafunga na mulango. On va même fermer la porte. Et puis amutatok. Et vous n'allez pas sortir. Ah. Ni offrande tu n'as fait ton pâtier mungu provoquer baraka. C'est l'offrande qu'on veut donner à Dieu qui va. Mais on a une fanyana envers hôpital américain à Simto. Il m'a coûté ma somme pour faire payer ça. C'est l'argent de l'école ou quoi? Nan mungine 1000 dollars. Qui d'autre 1000 dollars? 1000 dollars. 1000 dollars. Tu peux passer, passer pipito ko. Mungu akubariki sana. Mimi napenda na vitamine mion. Bariki, je vous vois. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Que Dieu vous bénisse, serviteur de Dieu. Mungu akubariki sana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah. Mtumishi Ubarikiwe sana. Soyez béni, serviteur. Ubarikiwe sana, mtumishi André. Mungu akukarishie akupatie makuta. Shimamia paka. Que Dieu vous stabilise. Nani mwingine 1000 dollars. Donne l'argent. Nous nashikia 1000 mwa fashi mwa. Nune ishikia na kumeno. Je sens 1000. Papiri nani tupite kwa raka mwene tupisha wakati parce qu'il faut mobili ende ya raka. 1000 dollars. 1000 dollars. 500. 500. Mungu akukarishie. Mupite kutu hapa. Et puis, vous pitez tout papa, vous pitez le fond de mon bébé. Passé, je dois prier. Et puis, coucou, offrande, moi, ton affaire, vous faites ça, ça. Il y a une offrande, il y a sac, il y a offrande, il y a compliqué à mon santé. C'est Ebenezer. 500 dollars, passez ici, passez. Mon ami Barik Sana. Approchez. Dieu vient d'appeler la Ramkanis. Frère, mon coucou, mon cher, comment? Mon ami, je ne vais pas 500. Mon ami Barik Sana. Mon ami Barik Sana, maman. 500 dollars, passez. 500 dollars. Comment peut-être on est sous pitam 500, mais à qui là qu'on y a 2000. On est gêné tout simplement. Je suis coupé de 500. Mini 2000. Moi c'est 2000. Tu n'as pas 2000. On va souscrire. T'as fait un moment sur l'étangapi. 500. Mais le peuple de Dieu, ça. On fait comme un sacrifice en gouvou. On sentait des grands sacrifices. Mina mon cher, je vais te donner 5 000. Ta combat. Comment il a tout ta ouji. Quand on a dit, mais je suis coupé tout pieds nus. On a compris que c'est papa. Papa n'a oublié sa vida de viote. Bien nu, comprenez que papa a vendu toutes les chaussures. Mungu akubariki sana, maman. Mungu akubariki sana. Que Dieu vous bénisse, maman. Mungu akubariki sana, maman. Que Dieu vous bénisse. 500. 500. Ben, n'anjika kuna manjina. Ona, mba kwa njika mungu rapide. Amo njiki. Soyez rapide en écrivant. Mungu kwa njika. Mungu na nani, bantu kote, mungu kwa fani. 300. 300, 200. 300, 200. Pite kwara kam, pite kwara. Passez rapidement. Pite kutwara kam ala moi. Mungu amibariki sana. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Au fait, Mungu amibariki sana. Tupite. Fais ma sacrifice ya nguvu. Il est makuta. On doit, il faut tu mbache Mungu. On doit le donner à Dieu. J'ai dit à Dieu non. Mimi mwisha Mungu hapana. Tunaweza kushinda bintu byote. On peut manquer tout. Atuweza kushinda kupatia mpango. Mais pas te donner une parcelle. Mungu akubariki sana. Que Dieu vous bénisse. Où on a l'état malamoi, hein? Donner directement. Hein? Ah, où t'as mis ça, papa? Je suis où, là, tu m'y cagues. Mungu amibariki sana.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez, passez. Bien aimé, tout pite, ni makuta ya mungu, tout m'patiye mungu mpango. C'est l'argent de Dieu. Ni m'ou 200? Je suis à 200. M'ou 200? M'ou 200? M'ou 200? M'ou 200? M'ou 200? Que Dieu vous bénisse. C'est que pourquoi on a dit makuta ya mungu. Donc vous aviez cet argent dans la poche. Je m'en mets à l'une combien? Que Dieu vous bénisse. On a là bien ça mon chat tu peux pas tout 10 on est tout piquer mon enveloppe. Très bien parfois. Pour témoigner, on a témoigné, on a servi pour témoigner Jean-Guy. Et tu marches en sauvé pour témoigner sinon tu vas pas. Tu peux voir parce que Mubiri a réuni chez les ta fan. 200 200. Mais je carrefour 1500. Comment il a c'est ma en Guinée. Hein? Moi je suis en Guinée. Commencez à écrire. David. Ah. Faites David, que Dieu vous bénisse. Mupite kwaraka. Passez rapidement. On a essayé de terminer ce matin. Il faut pas monter encore. Il faut déjà avant. Ou je t'ai wishé pour que tu pites wakati. Qu'on ne traîne pas pour qu'on fasse. Ah. Que Dieu vous bénisse, maman. Amen. Amen. Ok, 100. 100. 100 n'est mal à moi. 100 c'est directement. 100 dollars. 100 dollars. Vous pitez mal à moi. Rap, passez rapidement. Mon tout michoué sans panne. Non. Et non, sans panne. Oui, couche, oui, couche, oui, oh, 100. Parce que nous voulons présenter ça à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Allez vous faire inscrire. On veut présenter cet argent à Dieu. Président ou aïe commission. Le président de cette commission. Et aïe, bien-aimé Christian Swan. De la commission parcellaire, c'est le bien-aimé Christian Swan. Vice-président, maître Alain. Président, c'est le maître Alain. C'est qu'il faut me faire vous tous un pang. Vous devez faire le tout possible pour qu'on achète la parcelle. C'est qu'il faut me caler, me réfléchir. Emmanuel Nanan. Et même Patrick. L'apôtre Emmanuel. Commission, c'est comme vous, 4. Donc vous êtes à 4. Non, pas 5 Nanan. Na, à 5 na Justin et le bien-aimé Justin Mufang, vous tenez chez Makuta. On doit totaliser cette somme. Moi je kufuata sérieusement ni kufuata muna c'est que il est date tu na bien papa muite ou là muntu achibe ou ni peni tu as utilisé numéro yangu pas je vais utiliser mon numéro comme na c'est pas comme bari papa tout à coup ils sont loin on va venir chat on va tu na combien et on prie même tu ne kwaraka alors rapidement mina bakia na 5 minutes eh mungu akubariki sana mama je sais si venir, je vais te faire venir tous les pangs. Ok. Et puis après, coup prière, moi, je vais te faire venir. Et après, il y a une prière que Dieu m'a recommandé de faire. Tu es là. Sois béni. Je vais te faire venir. Après, je vais te faire venir. 50. 50. Maman, on a fait un chimamam. Chimamam, il n'y a pas de moulin. Je vais te faire 50. Je vais te faire venir. Je vais te faire venir. 50 dollars passés aussi. 50 dollars, mon pite pire. Parce que tu fais prière à Raka. Balébé, on a déjà pas déposé. Rapidement. 50 dollars. 50 dollars. Pite quoi, Raka, Raka. Bien aimé, Ushito, qui mille pas chacun, ça, ça, tout à toka. Bien aimé, je t'avais déjà prévu. Parce que ni prière, moi, je ne sais pas qui vous chaque chimama. Mina, tu as tout me présenté. On ne peut pas vous dire merci à Dieu. À mon anakintu qui a compati à mon. Ah, c'est ma accent. Merci à mon anakintu. Même moi, on est fata pour internet. On est sous ton jika, oui, page. Tu peux nous écrire à cette page. On est ton jika. Tu nous écris. Que Dieu te bénisse abondamment. 50 dollars, passez vite, 50. 50 dollars, mon pite quoi, raka. Gloire, que Dieu vous bénisse. Mais où est-ce que tu m'as mis à Chiapita? Ce serviteur n'est pas encore passé. Je ne sais pas. T'as déjà payé. Je vais voir aller toi, quand même, quand tu as essayé. Je vais voir un gros bill. Je vais passer, je connais mes brebis. Que Dieu soit béni. Tu peux te voir à Caracas.
Passons rapidement. Même Batumishi, ou même Batumishi, on a une liste. Bien, on a automatiquement. Le service. On est piqué tout au monde, on est pas quoi montant. Au lieu qu'on vous mette. Batumishi, tout autour, on a Ubiraka, au modèle. Celui qui monte. On est piqué tout au monde, on est pas quoi montant. Passez volontiers. Parce que comme on a quoi, c'est pas quoi Njika, si vous n'êtes pas là, on va souscrire votre nom. Tende Guaraka. Passons rapidement. $20. $20. $20, $10, mais je ne limite pas. Parce que je me limite par là. Chine a $20 à un sacrifice. Il y a $10 à un sacrifice. Il est même bon. Passez aussi. Prenez le 20, il est passé. Bien, il y a un jika. Qui est-ce que vous avez dit que vous avez cher? Et retournez-vous tout en regardant à la chair. Namoué Moukoupale, prenez. Namoué, on a grâce à nous. Tu ne peux pas rater cette bénédiction. Vous ne pouvez pas rater Ibaraka. Pita Bakouanjiki. Pita. Passez rapidement. Parce que cette prière. Dieu m'a dit de faire. Mushitoke parce que tout n'a mis 20h. Je vous ai dit qu'on va quitter ici. Nous ne chimions ça à Pasteur Grâce. J'honore l'heure du Pasteur Grâce. Et puis après Kumuish, je vais te bénir. Et après Mibariki, que Dieu vous bénisse. Moi, 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 déposer à Papa Tam. Moi, peut-être moi, déposer pas cher. Directement à la chair. Et à une offrande. Hein? Ça, ce n'est pas une offrande. Je vais prier. Moi qui me connais ça, mon apôtre. Mettez vos mains. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ile sacrifice Mungu rinyonesha. Yo hii tunaifanya. Njoo kupitia we Mungu merci. Merci kwa hivu netutosha mbali. Merci malgré makomba. Merci malgré complot ya diable. Merci malgré bote bile shetani alikwisha kufanya. Na hii offrande tunakupelekea Yesu. Uipokee. Ituikarishe. Iturendre stable. Dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Tu es le Dieu de toute puissance, un Dieu qui bénit, un Dieu qui transforme, un Dieu qui change des choses. Et que la gloire du Très-Haut, Ifike Konokana, Père, Imakuta tonakulete à Yesu. Mungu, tu n'as fait à Tukupati, Ifuashi, Tukupeyo, Yesu, Tukupatiyo, dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, in the very deplore the mighty and God, in the Lord Jesus, Tukupeyo, Ifuashi, Nifuashi Yaku, Naababote, Banashimama Yesu. Minatosha lufu maisha yabo. Minatosha madivorce maisha yabo. Minatosha kuria maisha yabo. Minatosha sterilite maisha yabo. Abata teswa. Abata ngaika. Ikala muma jama yabo. Ikala muma fuashi yabo. Bakone bakwishi. Kuku bengine. Banashinda kushimame mebatawa kufoma sacrifice. Je crois en toi. Et je crois en cette parole. Les dieux à qui je sers soient leurs dieux. Oui, Mungu ne tout parti à y 3 ans. Ou va partir ma chiku. Ou va fungurie milango. Ou va kariche kupita. Et je crois, Seigneur, que tu vas les bénir. C'est pourquoi nous te présentons cette offrande. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Tout narudia, tout nekala. Nous rentrons, nous nous mettons. Prépare déjà ton offrande. Prépare ton offrande. Je répète, c'est une journée spéciale. Ne sois pas pressé. Parce que une prière, il t'a coupé. Moi, mon aluma kwenda mon nishangaishi. Vous qui êtes pressé, mettez. Ceux-là qui sont dehors, debout, donnez-leur des places. Mais je peux ne connais ma vie de. Je ne veux pas voir ces vides. Vous préparez déjà ma offrande. Préparez les offrandes. Et puis déjà commission moinsguni. Moi, je suis balouré Makuta. La commission a commencé à faire le compte. Avec le président, c'est que moi, il n'y a pas déjà. Le président et le vice. C'est avec vous qu'on va acheter l'autre parcelle. Et ceux-là qui sont au fin fond là, vous pouvez vous avancer pour occuper les places qui sont ici. Si je dis d'attendre de prier pour vous, pourquoi êtes-vous pressé? Attendez que je prie. Vous avez droit de recevoir cette bénédiction. Déjà ma offrande, pendant qu'on prépare, je vais présenter un homme de Dieu. Je vais présenter le prophète Nathan de l'église Tabera. Tout le monde a piqué à Mikono, prophète. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut. Mungu akubariki sana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse mtumishi. Ubarikiwe sana. Karibu sana kwetu. Soyez béni, bienvenue chez nous. Je vais présenter prophète. Itakabizi nabi. Basa c'est Kaufman. Ape kona shimamia yulu tu kona piga mikono. Basa c'est Kaufman. Eko wapi? Eko wapi? Acha kwenda. Il est déjà parti. Ça. On appelle Kishanjina.
Il a donné le nom. Frère Kaufmann. Kaufmann. Et ouais. Où est-il? Ah. Nous avons pu. Mon grand mari c'est un prophète. Que Dieu vous bénisse, prophète Kaufmann. Peut-être une onction qui vous. C'est l'onction qui vous. C'est quelle histoire? Que Dieu vous bénisse. Amen. Lui, c'est l'enfant de la maison. Que Dieu te bénisse, prophète Okapi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vois le bien-aimé prophète qui t'en bat. Après, on a chimamé à une autre. Et les grâces, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on est même prophète? Prophète, est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Karibu sana kwetu. Bienvenue chez nous. Que Dieu te bénisse, Mutumishi. Mbariki Mutumishi. Amen. Je vais présenter le groupe de bien-aimés Pati. Apabe on a shimamia yulu, tout on a pika mikono. Est-ce qu'on peut les encourager? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Comme ça, moi, mon esprit au Katika Genes, vous pouvez entrer au nom de Jésus. Un avile. Ou bien, il m'a Jom kani sisi sasa tulikuwa shana kupanda misha kubeba na gam me pasi profeta ni tushusha ni mambo papa ni tufanyaka cette histoire en tout cas papa a l'habitude de faire ça ole moi museme mimi nebisem au lieu de le dire moi je le fais à votre place et puis après et après vous allez passer parce que vous allez on va moi mi t'adorer na moi comme show tapita je vais adorer avec vous à la fin oui les prières dans la prière amen mutumishi mushiko na ya kuingia na ya kutoka. Hein ni mwimbo mala mwana kana danse mwana 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 directement et la danse directement. Amen. Amen. Tu n'as pas toi au selon ordre des protocoles. Comment? Selon l'ordre des protocoles. Alléluia. Baba ni coupe nini, kwa yote umetenda. Baba ni coupe nini, baba. Baba ni coupe nini, kwa yote umetenda. Baba ni coupe nini, baba yangu ni coupe nini yo. Baba ni coupe nini. Yesu ngu ni kupe nini baba angu. Baba ni kupe nini. Kwa yote unatenda baba ni kupe nini. Yesu ni kupe nini mioyo. Yesu ni kupe nini baba angu. Yesu ni kupe nini mioyo. Yesu ni kupe nini. Baba yangu ni kupe nini yo. Baba ni kupe nini. Yesu kwa yote unatenda. Baba ni kupe nini. Yesu ngu ni kupe nini. Baba ni kupe nini. Yesu kwa yote unatenda. Baba ni kupe nini. Yesu ni kupe nini miyo yu. Yo yo yo. Yesu ni kupe nini Yesu wangu. Yo yo yo. Kama inaweye mumaisa yangu miye. Yesu mitasema nini kubatu papa wangu. Acha lwangu ni kuimbie baba. Acha lwangu ni kuabudu. Baba yangu ni kupe nini yo. Baba ni kupe nini. Kwa yote umetenda baba ni kupe nini. Pokea sifa na shangwe. Pokea sifa na shangwe. Joy yangu sadaka ile mina kuletea. Pokea sifa baba angu. Pokea sifa na shangwe. Yesu joy yangu sadaka ile mina kuletea. Yesu pokea sifa baba angu. Pokea sifa na shangwe. Yes. Joy yangu sadaka ile mina kuletea. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Amen. Je crois que j'ai déjà présenté le pasteur Christian Joshua. Je l'ai déjà présenté, je crois. Amen. Amen. Mungu amibariki sana. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, je vais donner la parole à l'homme de Dieu. Bale bote ba manes bikala ba chofe. Bale bote mishwa Mungu. Bale be kokule muchofe huko muchofe mu ekipe imafashi. Aba bandugu anekala ka presse ola kuchunga kupokea maombi. Amen. Le bien-aimé qui vient nous parler, c'est mon adjoint. Amen. Cet homme, il parle très bien. C'est une grande bénédiction pour ce secteur. Et puis c'est un grand témoignage. Amen. Amen. Il va nous parler. Et il m'a dit son chrono. Et je crois que Dieu va l'aider pour qu'il puisse. Et puis après, je vais faire cette prière. Amen. Amen.
Amen. C'est lui mon adjoint. Yejo adjoint wangu. C'est le pasteur. Le pasteur. Grâce. Grâce. Kasongo. Kasongo. Pekonpita tourna pika mikono bien. Non, la clame bien pika comme mikono bien. Pika mikono mzuri. Eh, il y a pas na pika mikono bien. Clame, clame. Anniversaire. Ça, ce ne sont pas les. Est-ce que quelqu'un peut crier Ebenezer? Est-ce que quelqu'un peut crier Ebenezer? Amen. Amen. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Merci beaucoup. Waouh, gloire au Seigneur. C'est pas facile. Je me suis retrouvé que moi, je suis presque hors gamme. Je ne savais pas que le thème c'était noir-blanc ou noir quelque chose. Je ne sais pas comment je ne m'étais pas rendu compte. Je n'étais pas prophétique. Alléluia. Donc quand on venait, je n'ai nommé pas prophète Christian, je n'ai pas dit noir blanc. Je n'ai nommé pasteur Valérie, noir. Je n'ai pas dit sécurité, noir. La sécurité à terre noire. Et tous les hommes de Dieu noirs. Noir blanc. Bon, il y a aussi du noir et du blanc, n'est-ce pas? Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux dire à deux ou trois personnes Ebenezer? Tu lui dis avec assurance, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Waouh, quel miracle! Que Dieu soit loué. J'aimerais rapidement rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'accorde et surtout la grâce de me tenir devant vous. Je ne cesserai d'être reconnaissant avec mon père, le prophète héritier. Pour moi, il est vraiment beaucoup. Il m'a beaucoup aidé dans la vie et dans le ministère. Donc il n'est pas que père spirituel. Il a déjà pris le rôle de mon père biologique. Lui ainsi que maman Rachel. Je dis merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour l'amour surtout. Je ne sais pas si j'ai déjà fait quelque chose de grand dans votre vie, mais j'ai vu l'amour que vous portez, l'amour que vous manifestez à mon égard. Merci beaucoup. Merci également à mon frère dans notre confrérie de bergers adjoints. Le pasteur Valérie. Je suis adjoint, lui aussi dit oui. Moi aussi je suis adjoint. Merci beaucoup. Il parle bien. Nous avons été bénis. Merci à vous tous. À nos bien-aimés qui étaient en voyage et qui nous ont beaucoup manqué. Prophète Christian, évangéliste Ecclésia, prophète Marcel, apôtre Emmanuel. Que Dieu vous bénisse et bon retour. J'ai promis à papa de parler pendant 30 minutes, mais je sens que je suis secoué. Je dois parler peut-être dans 25 minutes. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 7. Rapidement, 1 Samuel chapitre 7. Nous commençons à partir du premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Les gens de Kirjat Jarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main de Philistins. Les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tous les peuples d'Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous, et
Ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les enfants d'Israël apprirent, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Samuel prit un agneau de lait. J'ai déjà lu. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il l'appela du nom de Ben-Ezer en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, le Philistin furent humiliés et ils ne virent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Le reste des versets, nous allons le voir après. Que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire quelque chose avant d'entrer dans le vif de mon message. C'est que moi, j'ai toujours parlé des postulats. La première des choses, sachez que il ne faut jamais, jamais vous engager dans un combat sans être sûr que Dieu est de votre côté. Parce que Dieu n'a jamais été neutre dans un combat. Il doit être soit pour l'un, soit pour l'autre. Mais avant de vous engager dans un combat, rassurez-vous que Dieu est de votre côté. Plusieurs fois, Dieu a combattu contre ses propres enfants. La deuxième des choses, être un enfant de Dieu n'est pas une garantie de la victoire. Dans un combat. Ésaïe chapitre 5, le verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim. Sa multitude sera desséchée par la soif. Mon peuple sera amené. On peut être un enfant de Dieu, mais quand on ne marche pas bien avec lui, Dieu combat contre nous. La troisième des choses que vous devez retenir, il n'y a pas une intervention parfaite de Dieu sans une relation étroite avec lui au préalable. Lorsque tu veux une intervention de Dieu dans ta vie, rassure-toi au préalable qu'il y a une relation étroite. Parce que Dieu n'a jamais été notre garçon de course. Encore moins un cheval de bataille. C'est l'erreur que les enfants d'Israël ont fait. Et ça les a coûté fatalement. Regardez ce qui s'est passé. Samuel a pris le pouvoir dans un contexte particulièrement difficile. À cette époque-là,
Les enfants d'Israël étaient assujettis aux Philistins. La deuxième des choses, l'arche de l'Éternel n'était plus avec eux. L'arche qui représentait, qui symbolisait la présence de Dieu en Israël. C'était un signe de leur attachement avec Dieu. Elle n'était plus en Israël. La troisième des choses, la maison d'Élie. Eli qui est le père spirituel de Samuel. Dieu avait déjà rejeté cette maison. Parce qu'il n'y a pas longtemps, Eli venait de mourir. Ses deux fils, Ophni et Phini, ont décédé également. Sa belle fille qui était sur le point d'accoucher. Elle a donné naissance à un garçon. Elle l'appela du nom d'Ikabod. En disant, la gloire de l'Éternel est bannie en Israël. La Bible dit, elle mourut également. Et c'est là que Samuel devait commencer son ministère. Ce n'était pas facile pour eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Israël a péché. Et ils ont été attaqués. Ils sont partis au combat, on les a battus. Ils ont dit, c'est parce qu'on n'a pas amené avec nous l'arche de l'Éternel que nous avons eu la défaite. Ils sont partis, ils ont pris l'arche de l'Éternel. Ils sont amenés au combat. La Bible dit, le nombre de ceux qui étaient morts ce jour-là étaient plus nombreux. C'est alors que même Ophni et Phiné qui étaient des sacrificateurs sont morts ce jour-là. Pourquoi cela? Parce que Dieu n'a pas voulu qu'on se serve de lui pour gagner une bataille. C'est pour ça que je vous ai dit, Dieu n'est pas notre garçon de course. Tant qu'il n'y a pas une relation parfaite avec lui, même si vous l'amenez dans le combat, vous serez battu. Je savais que je serais très hostile avec vous au début. La quatrième des choses, il n'y a pas de délivrance sans une sincère repentance. Nous allons le voir bientôt. Mais ce que j'aime avec Dieu, le cinquième postulat, Dieu place toujours une limite, une ligne infranchissable que nos ennemis ne peuvent traverser. Dis à ton voisin, Dieu placera toujours une limite que tes ennemis ne pourront jamais franchir. Ça veut dire quoi? Ça peut arriver pendant un temps. Tu es combattu. Tu as des problèmes. Les choses ne tournent pas bien pour toi. Mais retiens ceci. Il y a toujours une fin à tout. La manière dont Dieu a fait les choses pour que le monde soit en équilibre, il ne nous a pas appelés à souffrir éternellement. Quand on souffre aujourd'hui et qu'on est dans sa volonté, soyez rassurés qu'un jour, comme je l'ai toujours dit,